Et salut tout le monde, c'est Nesdark Fanage, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est parti pour l'épisode Medivin, donc j'ai repassé le niveau du vaisseau quantum avec plus ou moins de difficultés. C'est pour ça, donc là on a 17 et donc il n'y a pas de cheat, hein. On va passer au hall d'entrée. Et j'espère que ce niveau, normalement ce niveau ça devrait aller, hein. J'ai déjà fait plusieurs fois. Et donc regardez, on est avec le bateau fantôme. Alors je vais vous dire un petit peu ce qui se passe pour l'instant. On fait passer le capitaine par-dessus bord et les pirates nous permettent de... C'est au bateau qui nous ramène au repère de Zarok. Et bien sûr, on n'est pas tout à fait à la fin du jeu, quand même, pour déconner. On va aller au hall d'entrée. Et vous verrez un petit peu plus sympathique. Allez, on va repasser. On va mettre le bouclier. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Ils faisaient chier. Et allez, Billy, donne-moi des infos sur ce lieu. Sœur Daniel Fortesque, tu es là, intrépide, comme à l'entrée du château de Zarok. Qui l'aurait dit? Qui lui dit? Ah nous, c'est certain. Nous craignons que le maître des lieux ne tente en ce moment de plonger ses terres dans la nuit éternelle, mais entre donc et fais comme chez toi. Eh ben, ça va être le bordel, ça c'est moi qui te le dis. Alors, toi, tu meurs et tu me laisses lire le bouquin. Ces méchants abattoirs sont encore servis d'éléments de sortilège de Zarok, elles sont sous protection de la magie, ces vilaines créatures. Ah bon, bah, si c'est ça, on va leur faire péter à la gueule. Donc on va aller par là. C'est quoi? Y'a rien. Regardez-moi ça, c'est quand même joli. 98, c'est beau. Si vous vous souvenez de la cinématique du début, c'est ça. Et là, où est-ce qu'on rentre? On va aller chez Zarok, de toute façon, là, où est-ce qu'il donc on croit que c'est mauvais plan. À gauche. En plus, j'ai un chier pour les tuer lors du début de l'ETP, mais là, je me fais plaisir, je les bute. Allez, on va descendre par là. Hop. Hop. Hop, hop. Allez, on continue. On va restaurer notre vie, ça, on sera tranquille. Et hop, full life. Ça, c'est pas mal. Alors, on voit un petit peu les bugs, enfin, les bugs de texture. Ça, je 98, on peut pas trop lui en demander non plus. Hop. Hop. Et voilà, le repère de Zarok. Oui, nous concocter des petits plans. Hop. Et il a pris mon épée magique, salaud. Hop, on va prendre la massue. J'ai monté la grande épée, bordel. Et je comprends pas pourquoi l'épée est bleue quand je l'ai dans la main et qu'elle est pas bleue quand elle est dans la main de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a une solution, vous me le direz. Donc là, c'est la difficulté. On va aller à l'évolution. Et mets-toi devant le bouquin, bordel, je veux lire. J'en intime de ça. J'ai passé 100 années en exil, me réchauffant au feu de ma colère, me nourrissant de ma souffrance, me détendant de mon angoisse. Mais vont bien et bientôt, tous autant qu'ils sont, y compris Fortes. Après avoir contré mon plan de conquête de Galomère, il s'attribue à titre posthume la responsabilité de ma mort. Mais quand j'aurai mis la main dessus, je lui collerai Medivin à son derrière osseux. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Toujours à flirter à la cour. On s'y mêlant de tout. Où allez-vous avec ce chat mort, Zarok? Où avez-vous trouvé cette cervelle, Zarok? Misérable fouinard. Mais dis-moi, là, c'est passé pas mal. Alors, il va sortir le sommaire. C'était un mort, page 5. On dormait une pile, page 71. Conseil de beauté pour les plus 400 ans, page 136. Ça paraît bien pour voter des gens, 207, à vous qu'il y ait des mots. 110, la tour de gamme, 63. Putain, pour conseil de beauté à partir de 3 ans, des gens de 400 ans. Ah, pas mal. Mais en même temps, il est mortel, Zarok. Et Mehdi est mis dans son derrière rose. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va aller par là. On continue. Alors oui, je vais vous allez me dire, il dit ça maintenant. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de casque. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, si niveau son c'est mieux ou pire? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça me donnera toujours un point pour savoir si c'est mieux ou si c'est pire. Ah,
Allez, par là. On avance. Ça va comme ça. On va voir la même. Et voilà, on va pouvoir aller rechercher le calice. On retourne dans le lieu de Zarok. C'est reparti. Donc oui, ça va être une vidéo encore assez courte, hein, je m'en excuse. Mais en même temps, ce niveau est tellement court et assez rapide à faire. Par contre, j'espère que je vais pouvoir avoir suffisamment de calice qui va me permettre d'avoir le fait qu'on devient un héros. De toute façon, il peut m'attendre longtemps. Et oui. Ça va être magnifique. Ah, c'est libre, je les avais déjà lu. C'est vrai. Avec les conseils de beauté de 400 ans, le médiéval dans les pistes. Ah, mais fou, hein, quand même. Ça me fait insanité quand même. En même temps, on n'a pas vraiment de représentation de Daniel Fortes quand il était humain. Outil de qui a la mâchoire osseuse et tout, mais j'aimerais bien voir à quoi il ressemble quand il était humain. Parce que dans Legacy of Kain, on voyait à peu près à quoi il ressemblait. Parce que dans un des. Je sais plus quoi, c'est dans Défiant, je crois, je ne sais plus. Où on le voit en humain. J'aimerais bien savoir. Allez hop, on a fini le niveau. On va aller au hall des héros. À mon avis, j'espère que j'aurai suffisamment de crédit. J'espère. Croisons les doigts. Et ah bah non, ça a pas l'air. À moins qu'il y ait eu un bug, ça se peut aussi. J'aime pas avoir cette statue. J'ai envie de me voir en vrai, en pierre. Enfin. J'ai la foudre, j'ai tout ce qu'il faut. Là, ça fait un bac que j'ai prêté le voir, lui. Ouais, c'est ça, je suis revenu. Ah, tu claques ton CP, en même temps, t'en as plus besoin de rien. Hop là, les acédiques, ça c'est toujours plus bien. Bon, j'en ai bientôt fini, je pense, avec le Odéon, hein. Je pense que ça ne devrait plus tarder. Billy, est-ce que t'aurais pas bugué? Bah non, il a pas bugué. Il a pas bugué. Bon, bah, je crois qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'aurais été certes assez court, mais bon... En même temps, vu les épisodes que j'ai scrappés, enfin, où j'ai des parties aussi qui sont parties, c'était quand même le minimum. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, c'est toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la fois prochaine, les Dark Fans, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bye bye.